Oui, il s'agit de deux dimensions fondamentales du soin. Un soin sans secours ne serait pas un soin. Il y a toujours une dimension dans le soin de répondre à une urgence, à un accident, à quelque chose qui vient d'arriver. Et en même temps, un soin sans accueil ne serait pas non plus un soin, puisque il faut une durée beaucoup plus grande pour pouvoir accueillir. Et l'une des thèses de notre livre, c'est que nos sociétés condense tout du côté de l'urgence du secours et oublie la longue durée de l'accueil. Essayons de réhabiliter donc la durée de l'accueil en considérant que accueillir, c'est intégrer un individu dans un espace public et que cela ne relève pas simplement du secours, de ce que nous avons appelé une biopolitique du secours, un gouvernement de la vie vulnérable, justement.